Eh bien, bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour du PVP 1v1 avec le roublard, j'allais dire la roublarde, je suis tellement habitué d'ailleurs. La team est ici, vous en faites pas pour ceux qui aimeraient voir la partie 2 concernant les quêtes du Dofus Abyssal, bah ce sera pour demain, là actuellement je suis en train de rusher le truc quoi, et c'est vrai que c'est un petit peu long. Et surtout en fait, je dois débourser pas mal de kama parce que j'ai besoin de ressources là, toutes ces conneries là à acheter sur toute ma team, c'est vraiment très très chiant parce que ça, je pense que ça va me coûter quoi, 25-30 millions de kama. Donc bon, après forcément les ressources là, je les revendrai. Salut, j'ai la chaîne. Donc là, bon, je tombe contre un NU83, c'est pas très gentil. Et donc, il y a un abonné qui m'avait dit, conseillé de mettre un observateur. Et donc, je l'ai mis, effectivement. Maintenant, j'ai très clairement plus de PO, tout simplement. Alors, je mets... La rémission, déjà, je l'ai pas. Bon. Enfin, je l'ai pas. C'est juste que j'ai pas assez de portée, malheureusement. Il y a moins 50% feu. Je viens seulement de le voir maintenant. Ouais. Alors, Roublabot. Bah, attendez, là je peux faire très mal. Non, ouais, il a envie de venir. Alors, bon, il est complètement débile, le pauvre. Complètement amoché. Il vient directement. Je sais pas si c'est du suicide ou quoi, mais c'est super mal joué de sa part. Malheureusement, pour lui. Parce que, bah, il a moins 50% feu et bon. Alors, est-ce que je pourrais... J'espère qu'il va pas me trouver. Bon là, regardez juste les dégâts qu'il se prend, quoi, c'est assez énorme. Alors, est-ce qu'il va me trouver? Ouais, 2 PA. Bon. En plus, je le bloque. J'ai la libération. C'est ce que je vais faire, s'il fait rien. Ouais, je peux même faire un petit bot, plus libé. Je pense qu'il va se mettre à gauche. Il m'a kické ma portée, donc ça c'est pas cool. Bah, finalement, c'est ce que je vais faire, les gars. Je vais faire une petite bombe ici. Et une petite libé. Et là, bah, il se prend le tarot. Hein, parce que là, très clairement, les gars, il est à moins 50% feu. Regardez-moi ça. Il se prend des dégâts, c'est juste monstrueux. Hein. Ça faisait peut-être 5 ou 6 jours que j'avais pas fait de PVP avec le roublard. Parce que bon. Peut-être même une semaine, je dirais, vu que j'ai en train de rusher les quêtes, hein, comme vous le savez. Bah écoutez, je crois que là, il est... Allez, à plus dans le Muldobus. Pour ceux qui connaissent le Muldobus, c'est c'est le truc pour aller justement dans le donjon. Sur l'île, je veux dire, l'île de la vérité. Voilà, j'appelais ça comme ça, mais c'est pas du tout ça. C'est pas l'île de la vérité. Non, mais c'est l'île où il y a le... Ah là là, je sais plus le nom, les gars. C'est le donjon, là. Le donjon à la con, là, en fait. Là, en plus, qui viennent de nerfer, là. Avec l'invocation. Je sais plus du tout c'est quoi. Non, vous savez quoi, je vais essayer de trouver ça maintenant. Parce que, putain, mais je l'ai sur le... Le bout de la langue. Bon, là a priori on a Ignopette. Salut, j'ai la chef. Bah franchement ça tombe bien qu'on ait Ignopette parce que c'était mon ancienne classe. Ah bah tiens, a priori c'est un abonné. Ah ok, donc là j'ai le même nombre de points de succès. Ouais, c'est un donjon pour 180 je crois. Allez, voilà, c'est le contre Azov, voilà, cette merde là qui a été nerfée. Bah voilà, bon, le Muldobus c'est ça. Avec Maxel, bon bah tant pis, hein, écoute. Alors 2500 points de vie, bah cette fois-ci c'est quand même bien plus optimisé. Bien plus optimisé. Du 0% feu. Alors moi j'ai pas le sort Kaboom, hein, c'est pour ça que je peux pas me booster. Kaboom c'est au niveau 100, c'est dommage. Donc 2500, on a le même niveau, c'est-à-dire que elle a un PA supplémentaire par rapport à mon stuff. Et pas mal de vie en, aussi en plus. Maintenant j'ai hâte de voir le Rox parce que j'ai quand même presque 600 d'intel. Après mon stuff, hein, franchement il m'a rien coûté les gars, hein, tout ça pour vous dire. Il m'a vraiment rien du tout coûté quoi. C'est
quelques millions à tout péter, hein. Mais bon, c'est sûr que 2500 points de vie au niveau 60, gros GG en tout cas, hein, pour ce stuff. Pour ma team là qui attend ici, hein, très clairement. Alors, pourrait peut-être commencer à taper, voilà, épée du jument, bon, ça fait quelques dégâts, toujours ça de prix, enfin, pour elle, pas pour moi. Quelques petites coupées, bon. Après, vaut mieux pas que je m'expose trop non plus. Si, je peux faire un truc sympa, les gars, je peux faire un truc sympa. Ouais, je peux. Et bah voilà. On va faire quelques dégâts comme ça. Voilà, ça c'est pas dégueulasse, les gars. Moi j'aime bien faire ce genre de truc. Il s'est pris pas mal de dégâts, hein. Il a pas fait puissance. En revanche, il a une double divine, donc il va faire quelques dégâts. J'ai pas envie qu'il me bloque parce que j'ai pas de tacle en fait. Je suis pas par choix agi, d'ailleurs, elle non plus. Par contre, ces tempêtes ils font vachement mal. Et le pire, c'est qu'elle est pas sous puissance quand même. Du 200, c'est ce que je balançais, je crois, non? Il me semble. Sauf qu'elle a la plus de vie et elle a un PA supplémentaire. Ça veut dire qu'elle a un exo-PA tout simplement. Et niveau vita, je sais pas comment elle fait pour arriver à autant de vita. Après, les items que j'avais, enfin voilà, bah en fait, c'est le même stuff que j'ai là. Hein. J'ai un anneau qui donne pas de vie, quoi, donc forcément. Donc, moi, je vais faire un tout petit pulsar, voilà, une petite extraction pour avoir pas mal de vie. Je vais faire une petite rémission ici parce que c'est ma plus grosse bombe. Le problème, c'est qu'au niveau 60, on se retrouve très très vite limité. Limité dans quel sens? Bah, simplement dans le sens où en tour loop, voilà. C'est une intervalle de relance de 5, c'est trop, c'est beaucoup trop. Pareil pour le roublabot, c'est assez assez tendu, mine de rien, comme combat. Mais c'est assez serré quand même, je m'attendais. Alors, 1-2. Ah, est-ce que si je viens là, est-ce que je l'ai? Je suis pas sûr, je crois pas. Si, je l'ai en fait. Et je peux même faire un petit pulsar, ouais. C'est propre, hein, les petits pulsars, ça fait plaisir. Je vais tout le temps rester là, les gars. Je vais rester ici parce que le Yop, il peut très facilement faire un bond et me foutre dedans. Peut-être même que là, il peut le faire s'il apprécie. Après, je sais pas s'il a le sort friction à son niveau. Ouais, des épées destructrices. Et là, j'ai bien peur que... Je sais pas s'il va bon. Parce que s'il reste là, ça peut... Ouais, non, il va bon. Il va bon. Il prend l'avantage. Il prend l'avantage, mais bon. Je vais faire ça. Je vais très clairement regagner mes points de vie. En plus, je fais ça sur une bombe qui est pas spécialement, qui avait toute sa vie, donc c'est un peu dommage. Bon, peut-être invoquer, ouais. Finalement, je vais invoquer, les gars. Hop, je vais invoquer. Bon, petite arachne. En fait, je voulais invoquer une bombe de base, mais. J'étais pas tellement sûr. Bon, là par contre, là, les gars, je vais prendre cher. Quoique, non, même pas. Si, en fait, ouais, il décide. Il la joue bien. Ah, si, il se met là-bas. Ah, si seulement. Ouais, parce que là. Bah, je suis pas du tout bloqué, mais. Ouais, si, les gars, je peux faire un truc. Je peux faire un truc. Oh putain, la portée, quoi, elle est vraiment ridicule. Allez, je fais un dernier souffle, les gars, je vais tout faire péter. Et là-bas, c'est gagné. C'est gagné, les gars, c'est gagné. Ouais, c'est franchement, je suis super content parce que elle était quand même super opti en face. Bon, bah, du coup, les gars, on est... Alors, je sais plus si dans la première vidéo du Roublard, si j'avais fait... si j'étais invaincu. Je crois que j'avais fait 3 colis. Il me semblait que j'avais perdu un combat. Il me semblait. Contre quelqu'un de plus fort. Ou bien c'était sur le Yop. Ouais, bah c'est sûr que contre le Yop. Enfin, avec le Yop, j'avais affronté un Oza beaucoup trop fort. Mais pour le Roublard, là, je sais pas si je suis invaincu. Ça m'étonnerait. Il me semblait aussi que j'avais perdu un colis. Mais je sais plus contre qui.
mais je suis pas sûr du tout. Du coup, bah les gars, je fais une mini pause. Pour le moment, les colis se passent très bien. Ça fait 2 victoires pour 2 combats. Je vous dis à tout de suite. Ok, bien re. Donc, on est parti pour le 3e colis. Il faut savoir que je ne fais pas réellement de pause. Enfin, c'est des mini pauses que je fais. Mais en soi, les colis, je les rush tous d'affilée. C'est-à-dire que si j'en perds un, bah, ça sera posté quand même. Si je les gagne, bah, ça sera posté aussi. Donc, on tombe contre un Uppermage niveau 62. Qui s'appelle Ciriz, qui est en 11 PA 6 PM, donc toujours là, par contre là on tombe vraiment contre de l'opti, donc c'est pareil, niveau 62, donc je pense qu'il est feu, très clairement, j'en suis même quasiment sûr, on a quasiment le même stuff, hein, a priori, sauf que lui a préféré avoir un PM en plus, un PA, enfin, il doit avoir un exo PA, donc je regarde, je crois pas qu'il est, non, non, ça m'étonnerait qu'il ait la ligne de vue. Donc Ciriz, alors, Uppermage, j'aime pas trop parce que c'est très très fort en PVP. Là, je peux m'avancer, lui faire quelques petits dégâts. Et franchement, je vais pas hésiter. Hop, je prépare ma petite bombe. En tout cas, les gars, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport au PVP, justement, que je vous présente sur ma chaîne. J'aimerais bien savoir si vous préférez, en tout cas, si vous pouviez comparer le PVP que je vous propose avec le Roublard ou avec le Yop. Quelle est, justement, votre préférence par rapport à cela? J'aimerais bien savoir ça parce que bah moi je préfère en fait par rapport au Roublard parce que il y a un gameplay derrière, il y a un vrai gameplay derrière comparé au Yop en fait ou même à l'Enutroph niveau 20. Par contre là c'est vrai qu'il tape très fort et en plus il m'enlève de l'intel. De toute façon les Uppermages ça a toujours été extrêmement trop puissant même je dirais. Là par contre, oh là là, j'aurais bien aimé faire un petit move sympa, mais donc il m'a juste enlevé du 800 dans la gueule, et en plus il m'a enlevé de l'intel. Là le problème c'est que j'aurais bien aimé faire ça, mais bah, bien sûr que si, je peux toujours le faire, mais je peux faire ça. J'espère qu'il me tacle pas. Ok, il me tacle pas. Par contre, je sais pas si j'ai. Le problème c'est que si je fais ça, je sais pas si j'ai la PO, donc je vais tenter un truc les gars, mais parfait. Non, j'avais peur de pas avoir assez de PM pour revenir, parce qu'après sinon il aurait pu se TP, me faire une IB et me tuer. C'est tout le temps ce qui arrive les gars en fait, hein, en PVP, c'est que bah, c'est surtout quand on est bas niveau, parce que quand on est THL, on a kaboom en fait. On a vraiment pas mal de sorts qui nous permettent de ne pas se prendre ses propres dégâts. Alors, du coup, bon, il tape, mais bon, il tape pas. Il y avait rémission, donc mes bombes tankent assez bien. Là, par contre, c'est vrai que l'arachne, je vais tout de suite la jarter. Parfait. Je peux même regagner encore des points de vie. Alors, je sais pas si lui, il a beaucoup de regain de vie. Le chaffer, je peux même faire peut-être un petit truc. Là par contre je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Peut-être mettre une bombe ici. Ouais. C'est ça que je voulais éviter à tout prix, mais une tape. C'est tellement fort son sort de TP là, j'aime pas trop moi. Mais bon, lui doit kiffer. Réunification. Donc le problème c'est que je suis bloqué, j'aime pas ça du tout, je déteste être bloqué, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je peux peut-être faire un truc avec la grosse bombe là, j'essaye de... Oh putain, je crois qu'il me manque, tellement rien, mais tellement rien les gars. Faire bien plus de dégâts. Je vais le pousser. Il se prend du 330. Parce qu'en fait, il me manquait 2 PA. Et je venais ici. Je faisais une aimantation. Et là, je pense bah il serait mort. Honnêtement, il serait vraiment. Je pense qu'il serait. Il serait out.
Là par contre, franchement, ça tape trop trop fort. J'ai peur de perdre ce combat, les gars. C'est le dernier, hein, en plus de la vidéo. Mais il tape trop trop fort. Aïe 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 aïe. Comment vais-je faire pour survivre? J'ai plus un tour loop. J'ai Roublardi, certes, mais oh, là, en plus il me kick des PA. Ouais, il m'a kické 2 PA juste avant. Ouais, mais je crois que je le tacle pas, non. Je tacle pas, sinon j'aurais pu l'attirer et foutre une libé, mais là je le tacle pas, putain. Je le tacle pas et... Bah, je crois que ce sera mort. Bon, il y en a un qui crève. J'espère qu'il va pas me trouver. Qui sait? Parce qu'en fait, même avec extraction, pour ceux qui se demandaient, je ne finissais pas hein, avec extraction. Quoi qu'il arrive, je tape pas assez avec extraction, je tape juste 200. Ah, donc là, il préfère la jouer safe. Franchement, ça m'arrange. Ouais, mais non, du coup, il y a du regain de vie. Faut que je fasse tout péter là. Il faut vraiment que je fasse tout péter. Attendez. Attendez, attendez. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai tellement peu de possibilités. Non, j'aurais pas pu l'attirer et lui faire des dégâts. Je vais mettre une bombe haut. Extraction. Regardez, donc voilà, là, je tape du 200. Ce que je vais faire. Ouais, donc là, il veut pas me laisser tranquille. Hein. Lance-flamme, ça doit être... Je pense qu'il a une portée, c'est assez... Ouf. Et là, bah, ça va être très compliqué, les gars. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'essaie de rester en vie tant bien que mal, les gars, mais ça va être dur. Je regagne pas mal de points de vie. Hein. Franchement, Roublard Feu, je pense que c'est le meilleur élément que je pouvais trouver à ce niveau. Des personnes qui me disent de... d'être air, mais bon, feu, franchement, on a un regain de vie très impressionnant. Là, par contre, honnêtement, j'ai peur parce que là, je peux éventuellement fuir. Hein. Le problème, c'est que je suis en train de les laisser regagner des points de vie, quoi. J'aime pas ça. J'aime pas du tout. Là, je pense qu'il va en plus se TP. Et s'il se TP, ça craint, quoi. Je vais pas le laisser avec mes bombes. Je vais. Le problème, c'est que si je fais ça, il m'aura en diagonale. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas. Hop. Je vais me foutre ici. Faut pas qu'il mette trop facilement. Là, il va essayer de trouver une ligne de vue. On verra s'il va la trouver. J'ai un rouble à botte, mais bon, pareil, à ce niveau-là, il est pas monté. Donc, il a que 3, 4 PM, je crois, c'est ça. En tout cas, il a pas grand-chose. Donc lui, il full invoque. C'est vrai que j'ai Schaffer aussi, mais bon, Schaffer, il a trop de raise, parce qu'il est déjà monté, entre guillemets, niveau 6. Donc il sait pas TP. Il sait pas TP, il sait pas TP, donc... Faire une petite réémission sur celle-ci. J'ai toujours pas en tour loop, bah oui c'est normal, je viens de l'utiliser. Donc aïe aïe aïe. Ah, priez pour moi les gars, parce que là bah, je sais pas quoi faire. Bah, je crois que je suis mort. Bon bah GG. Ouais. Bon bah c'est dommage, c'est vrai qu'il y a hyper match, c'est fou. Que dire? Déjà que. Ouais, est-ce que c'est plus shit qu'Ozamoda à ce niveau? Je sais pas, Ozamoda, c'est une autre planète, voilà. Bon bah, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo, du coup, elle vous aura plu. C'est dommage, j'aurais bien aimé rester sur ma petite série d'invincibilité pour aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on verra bien ça une autre fois. Je vous fais de gros bisous, en tout cas, franchement, c'était des combats qui m'ont vraiment plu et qui ont, je trouve, été vraiment super serrés, surtout contre la Yopette lors du deuxième combat. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao,
Bye bye.